Bonsoir les BNP, comment vous allez? Ici le fameux fondateur de l'entreprise BNP Technology. Alors je vous ai réservé quelque chose qui va beaucoup vous intéresser. Déjà, j'espère que vous portez très bien. Ici, je vous ai réservé une application simulateur du nom de PPSS, PP pour Windows, qui vous permettra d'utiliser des jeux console PSP sur vos ordinateurs portables. Ici, j'utilise qu'ils soient desktop ou portable, personal computer. Ici, j'utilise un PDF de son excellence, monsieur Kobia. Le logiciel est sur le bureau. C'est le logiciel PPSSPP pour Windows, ici. Il est sur le bureau, là. Voilà comment il se présente. PPSSPP pour Windows. J'aurais également besoin d'un adaptateur HDMI mâle femelle avec sortie mâle mini HDMI. Voilà son câble que je vais régler sur mon écran numérique. C'est vrai que j'utilise ici l'écran numérique, un Smart TV, les écrans numériques connectés qui utilisent la connexion Internet, ce sont les technologies avancées. Alors, sans qu'il ne faut pas perdre de temps, je lance mon simulateur sur mon PDF. Je n'ai pas besoin de regarder sur l'écran numérique. Je travaille depuis mon ordinateur personnel, le PDF. Je commence par un premier jeu de Need for Speed. Très nickel, les amis, très nickel. On n'a pas besoin de se casser la tête pendant cette période de confinement. Hein. Voilà, le jeu est surchargé. Charge, 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 mon ami. Charge, charge. Alors, on part pour une partie. Partie du jeu. Vous êtes où? Dommage que vous ne soyez pas là, oh là là. On me signale que je dois aller dans les paramètres pour que mon jeu soit plus rapide. Mais je n'ai pas assez de temps pour ça. Vous voyez que le jeu est free, hein? C'est nickel là. Ok, je passe au second jeu. Là, je vais lancer par exemple le jeu de guerre, Medal of Honor. Il se charge bien évidemment. Pour ceux qui aiment des missions, des jeux de réflexion, les futurs militaires, les futurs enquêteurs, Medal of Honor, très bon jeu. Plus besoin de vous casser la tête à chercher des jeux. Avec ce simulateur, vous jouez vos jeux. Il se charge, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, voilà le jeu de lancer. On peut lancer là. Voilà. Donc voilà comment il se présente. Ok. Je passe au dernier jeu. Ici, c'est Dragon Ball Z. J'ai plusieurs jeux de combat, de boxe, catch. Vous n'allez que sur le site, télécharger des jeux et l'installer, les corriger, entrer dans les paramètres pour lancer le jeu avec le simulateur. Si vous aurez des questions, n'hésitez pas à me les poser à partir des commentaires sur mon réseau social Facebook ou YouTube, Instagram. Ok. Déjà, il était question ici de vous montrer une application que vous pouvez installer sur vos ordinateurs, qu'ils soient desktop ou portable, qui vous permettra de jouer vos jeux console PSP sur depuis vos ordinateurs, sans toutefois avoir la console qu'on connaît d'habitude là, les GPSP, vous avez la possibilité de jouer ça sur vos ordinateurs. Si vous ne vous êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, allez dans YouTube, tapez BNP Technology, abonnez-vous pour ne louper aucune de mes vidéos charismatiques.
si vous allez commencer à me mettre à travers les commentaires, vous connaissez les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. J'ai également créé un autre, je me suis également connecté à un lien là, TikTok. Merci pour votre aimable attention. Bye bye.